Vous connaissez Bertrand Schwartz comme étant celui qui, il y a 30 ans, a proposé au gouvernement, en conclusion d'un rapport, la création des missions locales. Mais vous vous doutez bien que cette intervention schwartzienne n'a été qu'un moment de sa vie et que tout au long de ses actions, il a mené une bataille pour être toujours dans l'innovation sociale. À l'éducation demain, qui était un rapport pour la Fondation européenne de la culture, il écrivait: nous pensons que certaines structures, certaines méthodes, certaines éducations poussent plus que d'autres au changement de comportement. Une certaine forme d'utopie n'est-elle pas finalement le véritable réalisme? Est-ce réaliste que de ne changer qu'un peu? L'on sait trop, et en matière d'éducation plus que partout ailleurs, que de faibles changements ne changent finalement rien, parce qu'immédiatement récupérés par le système en place. C'était en 1973. Mais l'actualité du propos reste entière et l'on se doute bien qu'en acceptant de donner son nom à l'Institut, il doit bien espérer quelque part que les interventions de l'Institut sauront s'inspirer de cette volonté de changement de comportement. Ce que j'attends d'un institut, c'est véritablement une structure d'observation de la situation de la jeunesse et pas seulement celle qui fréquente les missions locales. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que ce soit à la fois un organisme de recherche et de développement, mais à la fois un centre ressources pour les salariés. En tant qu'organisation syndicale, on a besoin aussi d'un organisme qui structure le réseau en termes de formation et d'information pour les salariés. Et bien entendu, un institut qui soit aussi observatoire de la jeunesse et force de proposition en matière de recherche et de développement. Un travail de communication également sur ce que nous faisons, de capitalisation de ce que font les diverses missions locales. Au-delà de la capitalisation, eh bien de formaliser un peu cette démarche d'innovation et de la poursuivre, donc d'avoir un lieu ressource, un lieu d'échange des bonnes pratiques et puis de continuer à faire les recherches-actions comme l'a développé Bertrand Schwartz. Mais aussi qu'il soit un institut aussi force de proposition pour, pourquoi pas, le gouvernement ou les ministères en matière de politique jeunesse. Il faut d'abord faire vivre l'idée de Bertrand Schwartz à la création des missions locales, c'est-à-dire que les jeunes doivent pouvoir s'émanciper et donc doivent pouvoir choisir leur vie, peser sur leur vie. Mais le fait de créer cette fondation va permettre de l'inscrire dans le temps. Et donc, je crois que c'est une façon aussi de rendre hommage à un grand homme pour la jeunesse. L'Institut se doit lui aussi d'être dans la quête permanente du consensus. L'Institut se doit d'être attentif à sa propre manière d'écouter, c'est-à-dire à la manière de s'écouter au sein de l'Institut. Ce qui importe, c'est de savoir dans quelle situation on agit, de s'y inscrire et d'adopter et de garder une attitude claire. Retenons l'expression de Bertrand Schwartz: écouter, c'est entendre, entendre, c'est tenir compte, c'est négocier, et négocier, c'est respecter. Le plus agaçant pour moi, c'est qu'on ne nous entende pas et qu'on ne fasse pas appel à nous, après qu'on en parle, c'est bien. Et puis aujourd'hui, le plus frustrant peut-être pour moi, c'est de voir à quel point aujourd'hui dans la société, il y a d'un côté une jeunesse qui est en demande, on l'entend, les indignés et autres, et de l'autre côté, un monde notamment politique, mais aussi pour une grande part associative et autres, qui est dans une sphère complètement différente et que ces deux mondes-là n'arrivent pas à communiquer, n'arrivent pas à échanger. Il est, me semble-t-il, essentiel, mais ça on le sait en tant que professionnel, que la présence des jeunes, ou en tout cas déjà le fait que la jeunesse soit notre objet d'étude, c'est déjà faire une place aux jeunes. Alors après, sur la présence ou la place des jeunes, je pense qu'elle est de fait dans la création de l'Institut et dans l'objet des missions locales elles-mêmes. Je pense, au nom de l'association que je représente, qu'il faut aussi donner la parole aux missions locales et que cet institut soit quelque chose qui puisse permettre de porter la parole des missions locales, de porter leur capacité d'expérimentation, de porter leur capacité d'innovation. Et parmi ces capacités, il y a bien entendu la facilité donnée aux jeunes de s'exprimer. Peut-être qu'une des premières recherches-actions qui pourrait être lancée par l'Institut, c'est ce travail-là, de quelle manière on peut mieux associer les jeunes
et la prise en compte de la parole des jeunes dans le fonctionnement même et le travail même des missions locales. La principale préoccupation de l'Institut, c'est effectivement d'essayer de toute décision en matière de jeunesse, d'essayer d'avoir au sein de notre Institut le corps jeunesse. Ils ont des choses à dire. Et le jour où on commence à les écouter, ils changent. Ils deviennent actifs. Et ils se transforment. Maintenant, d'autre part, écouter en entendant, ça suppose qu'on ne parle pas. Moi, je suis frappé quand j'entends un système, peu importe qu'il écoute, de voir que l'écoutant prend tout de suite la parole. Ce qu'il entendra à la fin, je ne sais pas, c'est ce qu'il aura dit. Écoute, c'est difficile, c'est exigeant, et il faut savoir se taire. J'ai eu un exemple avec la mairie de Reims. On devait faire un petit film sur la parole des jeunes, sur la société. Et quand on lui a montré ce qu'on lui avait proposé, au résultat, elle a dit « Non, c'est pas vrai ». Alors que c'était la parole des jeunes qu'on lui a reflétée. Alors, il est prévu que l'association que je représente puisse s'investir énormément dans cet institut. Il est évident que les directeurs, qui représentent quand même une expertise considérable, une capacité d'action phénoménale, sont tout à fait prêts à co-porter l'institut. À la CFDT, on a déjà une politique jeune. Hein. On essaye d'intégrer des jeunes en termes de responsabilité et aussi de répondre concrètement aux problèmes des jeunes. C'est ce qu'on vient de faire avec les accords qu'on vient de signer sur l'emploi des jeunes. Donc on veut continuer. La jeunesse est un enjeu pour ce pays. Elle n'est pas suffisamment écoutée, pas suffisamment prise en compte. C'est vrai aussi pour les organisations syndicales. La CFDT va essayer et essaye déjà d'y répondre. Alors l'investissement, ça ne veut pas pour nous dire spécifiquement prendre une place au conseil d'administration, au conseil scientifique, etc. En revanche, être force de proposition sur les différents champs d'intervention de l'Institut, être sollicité pour pouvoir apporter nos avis, nos propositions, c'est en tout cas ça qu'on attend. S'il s'agit de faire vivre cette idée que les jeunes ont leur place dans la société et doivent pouvoir l'occuper à part entière, bien sûr que la CFDT y sera. Comment l'Institut peut-il faire en sorte que tous ceux qui luttent contre l'exclusion et les inégalités, c'est-à-dire ceux qui accueillent et ceux qui accompagnent, ceux qui les animent et ceux qui les encadrent, sans oublier bien sûr ceux qui définissent les politiques territoriales ou nationales, puissent faire de l'Institut une maison commune où chacun peut trouver sa place. Les grands changements, ils arrivent par des petits pas, on se met en marche, on crée la route, sans savoir exactement où on y va, mais on essaie surtout d'y aller ensemble. On ne peut travailler ensemble au sein d'une recherche-action collective que si président, directeur, salarié, partenaires divers arrivent à s'écouter. L'Institut a aussi un rôle à jouer pour faire en sorte que ceux que l'on n'écoute jamais puissent s'exprimer et être écoutés. C'était pas un truc de faute, mais beaucoup.